J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, comme tous les jours depuis le début de la semaine. On est le 25, il est actuellement 9h. Dans 1h15, j'ai un appel téléphonique pour en fait un rendez-vous, mais par téléphone. Et du coup, j'ai préparé tous mes papiers. Je suis en train de finir de regarder si j'ai tous les papiers qu'il me faut. Voilà, pour pas dire bah attendez, je cherche ce papier ou quoi. Non, j'aime pas ça donc. Donc je prépare tout, j'ai tout sorti normalement, j'ai tout ici, voilà. Et faut que je regarde un truc sur l'ordinateur aussi au passage tant que j'y suis, tant que j'en profite pour ça. Au niveau du sang baby, je vous en ai pas reparlé hier, mais au niveau du sang baby, elle a accouché ma sim, elle a eu deux filles. Donc il y en a une première qui s'appelle Alice, donc en référence à Alice au Pays des Merveilles. Et une deuxième qui s'appelle Kiara, en référence au Roi Lion 2. Voilà pour les nouvelles du sang baby. Je sais pas si je vous montrerai aujourd'hui ou pas. Voilà, tout dépend de d'aujourd'hui. Parce que là, quand mon chéri rentre du boulot, on va à Action, comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog. On va à Action et voilà, on va à Action et je sais plus si Action et Auchan ou Jean, je sais plus ce qu'il y a là-bas. Mais voilà, on va là aussi, on fait les deux. Et voilà, c'est pour ça que je vous l'ai dit, je pense qu'il y aura un haul vlog dans... Si je vous en ai parlé, je crois, en fin de vlog du précédent. Un haul dans ce vlog, donc dans celui-là. Et oui, je vous ai dit que je recyclais mon calendrier de l'avant, d'ailleurs, il faut que je le sorte. Parce que je crois qu'il est là, dans un carton ici. Plus de ce côté, je crois. Dans un carton, il faut que je sorte des calendriers de l'avant d'Action. Bah, je vais le chercher, je vous le montre. Donc du coup, je vous parlais de ce calendrier-là, qui était le calendrier d'Action beauté de l'année dernière. Donc il est trop beau aussi, c'est pour ça que je l'ai gardé. Et je vais le garder parce que, vous voyez, ce sont en fait des cases comme ça, que vous enlevez avec le numéro. Donc là, j'ai pris le numéro 20. Il faut que je le mette dans ce sens, mais non. Et en fait, là, on va aller à Action. Je vais acheter avec mon chéri plein de petites choses. Hein, même, oui, il y a des plus grandes cases. J'ai des plus grandes cases comme celle-ci. Comme la 14, c'est une plus grande case. Donc, je pourrais mettre un plus gros. Un bijou, j'en sais pas. Ou je. Non, c'est mon chéri qui va les remplir. Donc, en fait, c'est des petites cases comme ça. Et en fait, vous les ouvrez. Vous mettez le cadeau à l'intérieur. Et voilà. Donc j'ai pas voulu le jeter, je me suis dit je vais le recycler et du coup là on va aller à Action, donc pour, c'est les 40 fois que je vous le dis. On va acheter des petits, enfin je sais pas moi, des beauty blenders, des crayons pour les yeux, de mascara, s'il y a des petites palettes qui pourraient rentrer, des bijoux, de la papeterie et tout, donc ce sera vraiment un calendrier beauté, papeterie, soins, il y aura tout dedans, voilà. Donc je serai à peu près à les objets qu'il y a, mais je ne sais pas dans quelle case elles seront. C'est un peu quand vous achetez un calendrier d'avant dans le commerce. Généralement, vous voyez derrière, il y a tel produit, mais on ne sait pas dans quelle case ils sont. Donc voilà, donc ça va être aussi une de mes missions d'aujourd'hui. Essayer de retourner toutes les cases. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la 24. Je vais dans la 24, essayer de mettre un truc, genre une palette ou un truc comme ça. Ou un bijou, mais pas un petit truc. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais retourner toutes les cases. Je vais voir si je les mélange, parce que là, ça me fait 20, 22, 23, 24. Donc, je vais voir. 21. Hop, donc ça, il faut que je fasse, parce que comme ça, ça sera plus simple pour moi et pour mon chéri en fonction de ce qu'il veut mettre dans quelle case. Voilà, hop, la 16... Après qu'ils soient rangés à côté, tant mieux, au moins ça me permet, je perdrai moins de temps quand je l'ouvrirai dans les vlogs. Hop, la 11.
Et voilà, donc là je vais finir de les retourner pour avoir tous les numéros. Et écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Et je vous reprends, il est midi, midi moins. Oui, il va pas tarder à être midi, mais 11h44. Je vais pas tarder à descendre pour aller voir ce que je me fais à manger. Voilà, ce que je me fais à manger. Je sais pas trop quoi faire avec mes cheveux aujourd'hui, c'est chiant. Bref, donc voilà, là je suis en train de jouer une partie de Sims, mais c'est pas mon sans baby, c'est une autre partie. Et voilà, et voilà, voilà. Donc, voilà, voilà. Je pense que. Faites voir l'arbre généalogique. Hop. Donc je pense que là je vais arrêter la partie que j'avais commencé avec la famille, donc avec Maya Halliwell, et du coup je vais repartir avec sa première fille Nathalie qui a du coup un F en truc, et ça va être difficile de lui remonter ça, sachant que ça fait un moment que j'avais pas joué avec elle. Donc elle va venir finir cette voie et après je pense que je la ferai déménager. Elle va prendre son indépendance pour pouvoir poursuivre ses études et pouvoir exercer sa magie, parce que c'est une sorcière comme sa maman. Donc voilà, et les trois autres, les trois derniers, les triplés resteront avec leurs parents. Et voilà, là je vais juste attendre qu'elle se décide à finir ses devoirs et ensuite elle partira à l'aventure. Voilà, elle a même pas, je crois, le niveau, elle a même pas passé le premier niveau en magie. C'est que je veux qu'elle remonte ses notes en fait. Donc, hop. Du coup, je vais quand même la faire déménager avant, sachant que ses parents, ils vont vieillir. Sa mère a vieilli là, son père il vieillit là, je crois. C'est ça. Avec elle en prime, c'était son anniversaire, elle serait été jeune adulte. Donc c'est le moment de la faire déménager. Donc voilà. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais faire déménager, je continuerai l'histoire avec elle. Tac. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Option du jeu. Je voulais voir quelque chose. Je voulais voir quelque chose. Autre, non. Tac. Qualité de la capture. Non. Je sais pas. Ah, ça doit être là. Hop. Plutôt élevé. Voilà. Donc, hop. Voilà, elle est en bon terme avec ses frères et sœurs, mais elle a envie de prendre son indépendance. Voilà, étant ado, bon élève non, parce qu'elle a F, donc si elle a son bac, c'est... Mais vu que je veux qu'elle fasse des études et tout, un peu comme ça, maman a fait, et je veux surtout qu'elle devienne une grande sorcière, j'ai pas trop le choix de la faire déménager. Donc voilà, donc alors je vous reprends, il est 11h56. Alors non, 52, je sais pas pourquoi j'ai 56 sur l'ordinateur. 11h53 même, il avance. Donc du coup là je vais pas tarder à descendre pour aller manger. Puis après il y a mon chéri qui va arriver. Et après on va aller faire action et tout, petit Quenty. Donc voilà, là j'installe juste ma Sims. Donc j'ai arrêté le sans baby. Et je fais du coup un autre petit let's play comme ça de moi-même. Voilà. Et voilà. J'ai eu mon rendez-vous du coup téléphonique. J'ai
et eu les réponses à mes questions. Mais voilà. Donc écoutez, je vais voir ce que je fais à moi. Je vais aller voir ce que je vais me faire à manger et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 13h37, si je me trompe pas. Parce que voilà, ouais, 13h37, là on a la pompe à essence, mon chéri va prendre de l'essence. Et après on va à Action, on va faire les courses. Et après il faut qu'on passe chez ses parents, donc chez mes beaux-parents. Donc voilà, donc je pense que le haul Action dans ce vlog, j'espère que... Bah si, de toute façon, il peut y être, hein. Je vous filmerai plus tard, ça sera la lumière... soit pas du tout naturel, soit la red light. À la lumière de l'ampoule, soit la red light. Mais de toute façon, vu le temps qu'il fait aujourd'hui, voilà, je vous montre. Hein, il fait pas beau. Donc voilà. Donc écoutez, j'attends que mon chéri mette de l'essence. On va à Action et je vous dis à tout à l'heure. Il est 21h55. Je vous ai pas repris depuis tout à l'heure parce que du coup on a été à Action. Ensuite on a été faire nos courses et ensuite on est passé par la maison poser tout et après on était donc poser tout, récupérer Prunelle qui est juste derrière et après on a été chez mes beaux-parents et du coup on a mangé le soir chez mes beaux-parents et là on vient juste de rentrer. Donc du coup je voulais vous montrer tout ce qu'on a pris à Action, enfin tout. Pas tout, parce qu'il y a des choses que c'est pour le calendrier de l'Avent. Et je veux bah, du coup que ça reste un peu surprise pour vous. Donc voilà. Donc hop, je descends tout ce qu'il y a derrière. Et j'ai oublié la tringle à rideau. Mais la tringle à rideau, c'est comme toutes les tringles qu'on a prises. Je vous le montrerai peut-être dans un prochain vlog. Donc c'est parti. Alors, ça, j'ai pris ça pour ma mère. Du coup, c'est une petite lampe torche comme ça qu'il y a ici et ici. Faites voir si je trouve au niveau des prix. J'ai normalement l'application sur l'application donc Action. Ce qui est bien, c'est que vous avez votre ticket de caisse. Donc, comme trois choses que je vais vous montrer, c'est garanti. Donc, du coup, j'ai la note en fait sur mon téléphone et ça, c'est top. N'est-ce pas le problème? Alors, mon compte, ticket de caisse, et vous voyez, j'ai le ticket de caisse en fait sur mon téléphone. Alors, ça, tac, qu'est-ce que je dois retrouver? C'est quoi LED? Est-ce qu'il y a quelque chose où c'est marqué de LED? Non, je vois pas. Ça non, pas vrai, non. Capteur, non, c'est... Ah, lampe de LED, c'est ça. Elle était à 4,99€, donc 5€. Voilà. Et ce qui est bien, du coup, c'est que vous avez, comme je vous disais, ici et ici. Non. Et elle s'aimante. Donc voilà. Ensuite, on a pris ça. Donc c'est comme une petite guirlande lumineuse qu'on met, que nous on va mettre en tout cas dehors. Et ça, on l'a payé 9,95€. Donc voilà. Un Prunelle, qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà pour ça. Ensuite, on a pris cette magnifique lanterne. Tu te pousses, mademoiselle, que je vous montre. Cette magnifique petite lanterne, comme ça. Et là, vous avez un bouton, et je vais vous montrer. C'est trop beau. Donc voilà, donc ça, pour mettre un déco à l'extérieur ou quoi, je trouve ça super joli. Tu te pousses trop parce que sinon je vais pas pouvoir poser. Et ça, on l'a payé. Super, si j'enlève, on va bien y arriver. On l'a payé 9,95€. Voilà, ensuite on a pris ça. Donc ça c'est une... J'ai mangé le nom. Une smart LED connectée, du truc chouette, ça c'est pour mettre de l'autre côté en fait. Pour éclairer.
Ça, c'était à 9,95 aussi. Voilà, donc oui, il est ouvert, mais il y a tout dedans, on a vérifié. Ensuite, moi, je me suis pris, donc du coup, le gros casque comme ça. Parce que comment vous dire que moi, alors, j'en avais acheté un il y a un moment, je l'ai gardé plus de 5-10 ans, je crois, l'autre que j'avais. Et voilà, faut le changer au bout d'un moment. Donc j'ai pris lui, il était à... Là 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 là, faut toucher, j'y trouve pas. Non, je pense pas qu'il va être sur la fin. Non. Casque 12,95. Donc s'il marche aussi bien que l'autre. L'autre j'avais payé même moins cher. Ensuite j'ai pris des gâteaux pour Mademoiselle Preux. Voilà, là vous voyez qu'elle est intéressée. Des petits gâteaux comme ça, je ne les ai jamais fait tester ceux-là. Et ça c'était moins de 2 euros, si je me souviens bien. C'est long de chercher les prix, c'est long. Bon, je trouve pas, ça m'énerve. Suspension. Non, 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 non. 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 Ah, c'est ça, 1,99. T'en as rien de mal, mademoiselle. Ensuite, ça, je les ai vus. Bah, de toute façon, généralement, c'est... Ouais. 1,49. C'est les... vous savez, les recherches que je m'envoie. Et j'ai pris aux couleurs de Noël. Ils sont trop, trop, trop chauds. Donc voilà. J'essaie d'accélérer un petit peu. J'ai voulu tester ces sacs poubelles à la lavande. Que je retourne partout sur TikTok. Donc, il y en a... C'est pour un 30 litres. Je sais pas si c'est trop ou pas pour ma poubelle de cuisine. Au pire, c'est pas la poubelle de la salle de bain. Et ça, je les voyais tourner pas mal de fois sur TikTok. Comme quoi, ils étaient super bien, etc., etc. Et du coup, j'ai voulu les tester. Je crois 99 centimes. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris... alors, attendez, ça, je vais essayer de le trouver tout de suite. Comme ça, je l'ai vu passer. C'est ça le pire. Et... Ah, c'est bon. Alors, ça, ce que je vais vous montrer, je l'ai payé 4,39 €. Et c'est une boîte avec plein de petites perles comme ça. Donc, vous avez les perles, vous avez les fils là. Des petites perles là, des attaches là, la pince, etc. Donc, ça va être cool pour refaire un bijou pour mon téléphone comme j'avais. Donc, il s'est cassé. Donc, je vais pouvoir en refaire un. Ensuite, j'ai pris un rideau comme ça pour mettre dans mon salon en bas. C'est exactement dans les couleurs que je veux mettre en bas. Le rideau. Donc, la tringle que je ne peux pas vous montrer parce qu'elle est en bas est à 6,95 €. Et le rideau. Parce qu'en plus, il y a tout ce que je ne peux pas vous montrer parce que ça fera pour les vlogmas. Les rideaux, ils étaient à combien les rideaux? Je trouve plus. Ah, 16,95. Voilà. Et ils sont occultants sans trop l'être. Et j'adore la couleur. Ça ira parfaitement en bas. C'est vraiment le type de ton que je veux, même pour notre chambre de bain. Voilà. Ensuite, donc il me reste quoi à vous montrer? Donc j'ai pris un petit cendrier comme ça. Voilà. J'ai des fumeurs qui viennent de temps en temps. Et vu que nous, on veut qu'ils fument dehors. Bah du coup je leur ai pris un petit cendrier, même pas 1 €, je pense. Mon avis, ouais, même pas 1 €. J'arrive pas à le retrouver. Ensuite je me suis pris ça. Carnet à disque, ouais, c'est ça. Donc j'ai payé 3,99 €. Donc vous avez des petits trucs comme ça. Hop, et en fait ça fait de janvier à décembre, donc de l'année 2023. Et c'est juste trop bien. Vous avez une règle qui se déplace. Vous avez une jolie photo à chaque fois, vous pouvez mettre des choses importantes. Ça, c'est pour toute l'année, je crois. Et après, vous attaquez janvier. Voilà, les dates importantes, les anniversaires, les choses que je vais faire dans le mois, etc. Après, vous avez les trucs à planifier, tout, c'est trop bien. Et c'est justement ce que je voulais, ce que je cherchais, et je l'ai trouvé. Donc, je suis trop contente. Ensuite, on a pris une grosse horloge comme ça, pareil, pour mettre dans le salon.
Donc là où il y a la télé et elle est trop belle. Donc voilà, c'est tout qu'on a, on a payé mal de tête. L'horloge, on l'a. Alors c'est dans les premiers que j'ai fait passer l'horloge, 19,95 €. Et avant-dernière chose, j'ai pris deux paniers comme ça. Donc le deuxième, il y a ce que je peux pas vous montrer dedans, mais il est juste là. Voilà, juste derrière moi. Et ça, on l'a payé. Alors, il y en avait deux, donc ça peut être compliqué à trouver. Bah, 5,38 moins divisé par 2 et vous aurez pris dedans. Voilà, sinon les deux, j'ai pris 5,38. Et ensuite, on a pris cette chaise-là de bureau. Voilà, je vous la montrerai quand elle sera montée, mais on a pris cette chaise de bureau qui est à 49 € et des bananes. C'est l'article le plus cher qu'on ait pris. Hein. 49,97 € donc 50 €, mais j'ai besoin de changer de chaise de bureau. Donc voilà. Donc écoutez, bah maintenant je vais aller ranger tout ça et je vais aller ranger mes courses en bas. Ranger ce que j'ai à ranger parce que ça je les ai pris pour ma cuisine. Donc j'ai tout rangé dedans, je pense, ce soir. Je vais faire un petit peu. Et voilà, donc écoutez, je vous dis, je pense que je vais peut-être arrêter même ce vlog maintenant, c'est 22h05, après je vais me poser à regarder la télé, donc. Donc voilà tout le monde, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog.